Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Gameki. On se retrouve les gens aujourd'hui pour l'application du vendredi. Et aujourd'hui on se retrouve pour un jeu qui a énormément marché sur les mobiles et tablettes, ouais. Et qui est sorti il y a beaucoup de temps. Et qui nous a été proposé depuis plusieurs semaines, et là voilà. On l'a revu dans les commentaires de vendredi dernier. Juste avant de commencer, alors ça s'appelle Friendzone. Friendzone, c'est quand en fait t'as un ami, voilà. Et en fait par exemple t'es amoureux. Il te fait comprendre que t'es son ami, c'est tout. Voilà, il fait comprendre. Friendzone. Mais là, ça correspond pas vraiment à ça. Parce que moi, en fait, je vais vous dire, pour être franc, j'ai déjà fait le 1. Parce que j'avais tellement vu de gens qui avaient fait ce jeu-là, je me suis dit, bah attends, je vais quand même tester, ça va être pas trop mal. En plus, je crois que c'est un Français qui fait ça. Et ben, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. Sauf que Kim ne connaît pas du tout l'histoire. Donc, moi, c'est Kim qui va jouer. Ouais. Et après, il faut savoir qu'il y a le 2, le 3 et le 4. Donc, si jamais ça vous plaît énormément, il faut pas hésiter à le faire savoir, à mettre un pouce bleu pour faire péter la barre de pouce bleu et à nous dire si vous voulez qu'on fasse la suite, peut-être en dehors des vendredis. Voilà. En dehors des vendredis de la semaine, ça serait en pleine semaine, voilà, comme un petit let's play par exemple. Et faut nous dire ce que vous voulez aussi comme application du vendredi pour les prochains vendredis qui arrivent. Mais là, c'est une découverte. Alors... le jeu est gratuit. Si vous jouez en mode avion, il me semble qu'il n'y a pas de pub. Moi, dans mon souvenir, j'y jouais sans pub. Et il va y avoir qu'à recommencer parce qu'on. On peut recommencer depuis zéro. Mais je pense que si je mets jouer, tu veux t'appeler comment? Bah, Kim. Bah, en fait, faut être un mec, je crois. Ah, bah, on va s'appeler. Bah, non, on va s'appeler. Attends. Bah, tu t'appelles Kim si tu veux. On va s'appeler Sarwan. Tu vas t'appeler Kim, mais tu vas être un mec. Tu vois, le prénom de base, c'est Nick. Ah oui. Je crois, hein. Parce que moi, j'avais mis. Moi, j'avais laissé Nick, je crois. Bah, laisse Nick alors. Sinon, je mets Nick ou je mets Kim, mais ça sera Kim masculin. Kim masculin. Ça te va? Oui, vas-y. Bah, tiens, vas-y. Je te laisse jouer. Vas-y. T'es un peu loin de l'iPad, mais. Alors, donc on joue sur iPad, il est dispo sur Android, moi j'avais fait sur Android. Alors vous venez d'ajouter Eva Belle, alors, jolie fille. Attends. Avant de commencer les gens, c'est un jeu qui est pas du tout dans la catégorie que l'on fait d'habitude. C'est pas du tout un jeu à scoring, c'est un jeu un peu drôle avec. C'est pas vraiment une romance non plus, c'est plus un peu fiction horreur. Et en fait on va parler avec quelqu'un par SMS. Sauf que c'est pré-enregistré, c'est le jeu qui fait tout ça. Et c'est vraiment bien fait. Donc vraiment voilà. Moi, je vois des si c'est quelque chose qui vous fait peur un peu parce que c'est un peu stressant, voilà, parce qu'on apprend que c'est des vraies personnes, donc c'est un peu particulier. On vous invite à pas regarder la vidéo, voilà, il y aura d'autres jeux, vous inquiétez pas. Mais normalement, c'est pas très violent, c'est plus psychologique, quoi, un petit peu. Ok, alors. C'est un peu comme un livre. Chapitre 1, Eva Belle. Vous venez d'ajouter Eva Belle, une jolie fille que vous avez rencontrée plus tôt dans la journée. Donc c'est forcément. Après, vous venez d'ajouter une jolie fille que vous avez rencontrée plus tôt dans la journée. C'est-à-dire que tu l'as déjà rencontrée, style happen, quoi. Ouais. Ok. Après un moment inoubliable, vous souhaiteriez faire plus en plus connaissance avec elle. Continuez. Elle a accepté notre demande d'ajout. Et donc là, ça fait un peu comme Facebook, portable et tout, quoi. Elle a accepté notre demande d'ajout à 16h05. Ah, c'est marrant. Ah, c'est bien fait. On se connaît. Et donc en fait, t'as des choix. Sans rencontrer tout à l'heure avec la cafétéria, quand j'ai vu ton visage, je me suis tout de suite dit qu'il fallait t'ajouter. On suit le même cours de géologie. Alors, soit je fais sérieux parce que... Je vais juste préciser. Qu'en fait, au début de l'histoire, ça influe. Si jamais tu te fais friendzone, t'as fini, tu recommences à zéro. Ok, donc la géologie, c'est friendzone, déjà, je pense. Quand j'ai vu ton visage, je me suis tout de suite dit qu'il fallait t'ajouter. Là, ça fait trop, je t'ai trouvé trop belle, alors je t'ajoute. On s'est rencontrés tout à l'heure avec Amézaria. Vu. Ça, c'est horrible, les trucs vus. Ah oui, je m'en souviens. Et tu veux faire la voix de la fille, hein. Kim, c'est bien ça? Oui, c'est moi. Oui, c'est bien ça, ou oui, c'est moi avec un... Ah oui, le smiley. Est-ce que ça compte, le smiley? Oui, c'est moi, genre, je suis détaché, machin. Oui, c'est bien ça, point d'exclamation, sourire. Ça non, c'est pas oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Tu vois, c'est genre un peu, tu t'en fiches, moi. Ah bon, ok. Oui, faut pas faire le mec ou la fille qui a trop... parce que je peux être très bien être une fille, hein. Oui. On a discuté juste après que ton ami ait fait tomber ton chocolat chaud sur sa voisine. Sympa, sympa l'ami. C'est Zoé, elle est un peu geek sur les bords et s'était énervée parce que sa voisine lui a dit d'arrêter de parler de ses jeux vidéo. C'était assez drôle. Enfin, c'est une personne géniale. Tout comme toi. Non, ça va être trop. ça va être trop, ouais. T'es vraiment génial. Bah, en vrai, si tu veux te faire friendzone, réponds tout comme toi, quoi. Bah oui, voilà, c'est ça. J'en suis certain. Vous apprenez à draguer avec nous, en fait. Ouais, c'est ça. On apprend à draguer. Non, faut pas écouter Guillaume parce que lui. Non, moi j'ai fait le jeu entier. J'ai pas été d'accord. Ah ouais, ok, super. Quand même. Tu vois, même toi, tu as remarqué que c'est une super personne. Bon, je suis désolée de couper court, Kim, mais je dois rejoindre Brian dans une heure. Mais qui est Brian? Un garçon que j'ai aussi rencontré qui avait... Bah, si, t'es forcément un garçon. D'accord. Un garçon que j'ai aussi, ah, oui. Donc il t'impose que... Okay. Un garçon que j'ai aussi rencontré à la cafétéria. Genre, elle rencontre tous ces mecs à la cafétéria, quoi. Ouais. Et après, choisis avec pouf. Ouais. Votre choix. Je le connais, c'était pas un mec bien. Ah, ça fait trop... ouais, moi, je suis un mec bien, toi, lui, c'est pas un mec bien. Pas de soucis.
Pas de soucis. Oh là là. Là. C'est vrai? C'est pas bien? Bah, je sais pas, ça fait trop. J'ai quand même envie de discuter avec toi. Bah, tu vois, donc pas de soucis, ça marche. Tu peux m'envoyer un message vers 22h, je serai de retour. Bah, non, j'ai pas envie. Si j'y pense. Ah non, ça fait trop. Si j'y pense, ouais, ouais. Tu te calcules pas. Pas de soucis, ça fait un peu pas de soucis quand même. Hein. Mais j'ai hâte, ça fait deux, trop... deux pas de soucis, et j'ai hâte, ça fait trop... Ah ouais, j'ai trop hâte, vraiment, j'ai hâte, je vais rester sur mon partage jusqu'à 22h. Si j'y pense, ça va être trop... Je vais mettre le pas de soucis. À ce soir, Kim. Le chapitre va se terminer. D'accord. T'inquiète. Ah oui, ok. Chapitre 2. Y'a pas de son, du coup. Non. La nuit est tombée. Enfin, il y a du son de temps en temps, mais ouais. On vous mettra une belle musique d'ambiance. Ouais. La musique. La nuit est tombée depuis déjà quelques heures. Eva vous a demandé de lui envoyer un message à 22h. Est-il judicieux de suivre ses indications? Vous êtes le seul maître de votre histoire. Votre choix. Ah, mais ça fait trop. J'étais sur mon portage, j'ai attendu 22h pile pour t'envoyer un message. Ne rien dire. 22h. 22h13. Oula. Ah! Faut toujours attendre. Kim, j'attendais ton message. Oula! Elle est pas contente. Ah, si, elle a un sourire, donc c'est là. Je suis là maintenant, c'est ce qui compte. Hein, ça fait trop. Ouais, je suis là, je suis beau gosse. Maintenant, bah, tu dis ça, c'est mieux. Ouais, Moi, j'aurais mis ça. Ah, c'est marrant, tu as bien raison. Ah, elle a changé de smiley, hein. Elle a deux bâtons et un sourire. Ouais. Tu as quand même passé une bonne soirée. Merdique? Non, ça fait trop... Excellente, j'ai joué du piano. Ah, j'en souviens pas plus. Moi et toi. Moi. Non, ouais, je sais pas. Moi et toi. Mais tu l'as fait pas rêver, quoi. Ouais, mais attends, c'est bon. Alors, espérons qu'on te rattrape la soirée en discutant. En ce qui me concerne, eh bien... Brian n'est pas si génial contrairement à ce que je pensais. Brian en même temps avec ce nom. Désolé pour ça, Brian. Brian a été un Y. Je te l'avais dit, tu as pris le risque de te tromper. Ouais, tu l'avais pas dit. Ouais, c'est. Ouais, il y a un moment, faut mettre des choix, mais c'est chaud, ouais. Je te l'avais dit. Parce fait, non, trop, moi je l'avais dit, je crois. Ah ouais. Ouais, et après, j'avais dit, ah bon, pourquoi, etc. Et bah, tu fais ce que tu veux. Ouais, c'est bien ça. Oui, ouais, c'est bien, c'est normal, y a rien de. Tu as raison. J'ai toujours raison. Au moins, c'est bien, il n'y a pas de faute d'orthographe. Il n'y a pas tellement de passion à parfumer et boire sans arrêt. Pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Vous avez réussi à soutenir vos informations. Ah, de... c'est vrai, bah, tu vois, je me retrouve bien. Je trouve ça important d'avoir une passion. Tu joues d'un instrument par exemple. Oui, du piano. Oui, du piano. Oui, du piano. C'est presque ça, j'ai joué du violon pendant 10 ans. Ouais. Oh, tu joues du piano? C'est vraiment super cool. Ah, moi j'ai fait du violon. Allez, monte en orchestre. Il y a une musique que j'ai trouvée merveilleuse, elle s'appelle River Flows in You. Mais j'ai oublié le nom de l'auteur. C'est qui? Bah, c'est de Hiruma. Hiruma? Je pense. Ouais, je pense. Je trouve que c'est de Chopin. Oui, c'est bien ça. J'ai commencé à me dire que tu es une personne très cultivée. Ouais. J'ai lu 3 livres dans ma vie. Alors, tu es juste un fan de Twilight? Ah ah ah. Bah, parce que c'est la musique de Twilight. Ah oui, c'est la musique de Twilight. Ouais. Ok. On aime bien aussi Twilight. Ouais, c'est bien Twilight, moi j'aime bien. En tout cas, je pense que la musique est un moyen de s'échapper de notre quotidien et que ça apporte énormément de choses à notre âme. Tu en penses quoi? C'est plutôt l'âme qui nous apporte... Tu dis n'importe quoi. Tu vas pas dire n'importe quoi. C'est plutôt l'âme qui nous apporte quelque chose. Moi, je dirais ça. Ah! Je crois que notre créativité et l'expression de notre âme, nous avons beaucoup à apprendre d'elle. C'est une romance, là. Ouais, c'est une romance, là. Enfin, pas vraiment, parce que tu dragues pas non plus, mais... Non. Tu fais les bons choix, en fait. Ouais, voilà. Je n'ai jamais lu d'aussi belles paroles concernant la musique. Tu sais, malgré que la soirée fut que avec Brian fut peu agréable, j'ai pris des photos pour te les montrer. Tu veux les voir? Votre choix. Bah, c'est un peu bizarre, non? Oui, bien sûr. Bah, fais pas genre, je m'en fous de tes photos, quoi.
Dis oui, dis oui. Oui, bien sûr. Fais pas... Ok, ok. Alors que tu t'intéresses à la personne, tu oui, vois. Oui, oui, oui. Oui, ça fait un peu intrusion. Cool, alors attends, je les cherche. Elle va vraiment m'envoyer des photos? Ah oui, d'accord, des photos de ça. D'accord, je croyais que c'était de Brian. C'est, ça, c'est le lac près de chez moi. Ah, moi, j'aurais dit, c'est beau. J'aurais dit, aucun de deux. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Ouais, faut dire ça. Ça fait poétique. Bah oui. J'attends, j'attends. C'est très gentil de demander. Je trouve ça bien fait, moi. Ouais, c'est pas mal. J'ai fait un tour avec ma petite sœur quand nous étions enfants. On s'amusait beaucoup à ce moment. C'est pas très bonne qualité, ces photos. Elle doit avoir un portable pourri. Ah, c'est pas bon parti. Vas-y. Là... On s'en va. Là, c'est aussi le lac, mais un peu plus tard dans la journée. Je ne pouvais pas rater l'occasion de prendre ça en photo. J'adore cet endroit, c'est très beau et ça me rappelle tellement de choses. Non, mais arrête de parler. Ouais. Moi, c'est moi qui mets la friendzone. Enfin, ça me fait rêver et j'adore ça, vivre des émotions fortes. De fortes émotions. J'imagine que c'est ce que tu ressens. Je ressens un moment de partage. Je ressens nada. Nada. C'est exactement ce que je ressens, tu sais. Avec la musique, ça fait un autre point en commun. Tu as d'autres passions. Non, ça fait ouais. Trop, ça fait trop. J'adore vous sentir ouais, de si belle. Ouais, c'est trop, c'est trop. Tu as d'autres passions. C'est gentil de t'intéresser à mes passions. Elle est longue à écrire. Tu vas sûrement trouver ça bizarre, mais j'adore rédiger des histoires d'horreur. Attends, tu cliques sur un bouton. En fait, je suis rédactrice sur histoirehorreur.com. Quand j'ai du temps libre, je rédige des histoires sur le nom de Lucie. D'ailleurs, avec Zoé, ça nous arrive de retrouver en plein milieu de la nuit pour se raconter des histoires effrayantes. Tu seras d'accord pour participer à une soirée horreur avec nous? Pourquoi pas? Bah, pourquoi carrément pas. Carrément? Bah, tu la dragues, quand même. Carrément, ok. Faut rentrer dans son délire. Ok, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ah ah, j'ai l'impression que tu n'as plus envie que moi. Ouais, ça fait trop, tu vois? Je te l'avais dit. Ouais. Dans ce cas, je t'inviterai dans la conversation demain soir vers minuit. Ah oui, c'est pas mal, c'est marrant. Bien. Super, à demain, pas de soucis, faites beau rêve. Ah, ça fait encore pas de soucis, ça fait beaucoup de pas de soucis. Ouais, pas de soucis, pas de soucis, pas de soucis. Super, à demain, Eva. Merci, bonne nuit, le chapitre va se terminer. J'ai bien réussi. Ouais, mais c'est bien. Sinon ça te met un truc rouge, friendzone, ah, et oui, tu recommences. Ok. Faut faire les bonnes décisions. Ok, et ça peut durer combien de temps? En tout? Ouais. Bah ça se finit au bout d'un moment, c'est une histoire. Oui, mais il y a combien de chapitres? 6, 7, je sais plus. Non, c'est mais bien. On va finir là, je pense. Ouais, ouais. C'est... Sauf les derniers sont peut-être plus longs, je crois. J'ai fait le 1, le 2, et je sais plus. La soirée prévue par Eva et Zoé commence, il est tout juste minuit et vous vous apprêtez à vivre un moment effrayant. En fait, c'est assez simple. Je suis tombé sur ce jeu parce que je regarde toujours les tendances de jeux vidéo les plus téléchargés. Et là, je suis tombé sur Friends of the Cat qui venait de sortir. Il y avait je sais pas combien de téléchargements et je voyais 5 sur 5 presque. Mais j'ai dit donc, c'est... et du coup, je suis retombé sur le premier, j'ai regardé, c'est pas mal. D'accord. Attention. Ne participe pas à cette discussion de nuit. Hello et quelqu'un est hey, yo Eva, ton ami est là. Pourquoi on ne participe pas? Bah c'est un truc pour faire peur. Ah oui, il va sûrement arriver, il n'est pas très ponctuel, mais je suis sûr qu'il sera là. Coucou. Coucou, coucou. Coucou, coucou. 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 Ah, tu es là. Il n'est pas très ponctuel, c'est abusé. Ouais, j'avoue. Je sais que je t'ai déjà parlé d'elle, mais je te présente mon ami Zoé. Bonsoir Zoé. Pourquoi ne dis rien? Faut dire des choses quand même. Faut dire bonjour. Salutations le planiste. Zoé. Ah, elle a parlé de toi à Eve, à Zoé. Oui, oui, j'arrête. C'est ce qu'elle m'a déjà parlé de toi. Enchantée d'enfin te rencontrer. Enchantée. Et tu réponds ça toi? Bah oui. Ok. Elle dit enchantée. Oui, oui. Donc j'ai dit enchantée quand même. Je suis enchantée. Bon, c'est parti pour une autre soirée d'horreur. Je suis prête. Ça fait vraiment peur? Ah oui, tu as des screamers et tout. Mais non. Ouh. Et c'est parti. Ah, tu actives le mode immersif. Bon, les amis. Il est temps d'éteindre vos lumières. Nous vous recommandons d'éteindre les lumières de votre pièce. On va pas éteindre parce que vous, sinon vous verrez. Ouais, mais je l'ai fait nu, c'est pas mal. C'est vrai? Bah, parce que t'as la petite ambiance et franchement, moi je me suis pris vraiment grave au jeu, hein. Ça m'a étonné. Hein. Ok. Alors, qui commence? Honneur aux femmes. Eva, tu commences. Eva, tu commences. Tu le temps, hein?
Je préfère que ça soit Zoé qui commence, elle est bien plus à l'aise pour nous mettre dans l'ambiance. En plus, elle introduira des bruitages en même temps qu'elle écrira. Ouais, en fait, ils disent de jouer avec un casque et tout. Mais après, moi je vais jouer avec le son, c'est tout. Avec plaisir, mon amourette. Mais là, on n'a pas le son. Votre choix. Oh non, on n'aura rien à dire. Prends pas parti. Oui, prends pas parti. Mais... Bon, je me lance. Tu vas faire une zone, quoi. Tout commence par une nuit de pluie, d'eau et d'orage. Tu veux raconter? Et en fait, là, t'as les pluies. Ah, t'as le bruit de la pluie, d'accord. En fait. Plus précisément, la nuit qui précède celle d'Halloween. Ce soir-là, un couple se disputa et l'homme se retrouva à la porte. Il se réfugia dans l'hôtel le plus proche avant de retrouver voir sa femme suivante à 10:30. Il est 10:30, justement. Ah. Afin de rentrer, il trouva comme excuse qu'il avait oublié de prendre un vêtement à l'étage, alors sa femme monta le chercher. Silencieusement, il alla dans la cuisine, piocher parmi les couteaux et retourna à la porte sans faire un bruit. Et en descendant, la femme lui dit « Que caches-tu derrière ton dos ?» Et après avoir lâché un large sourire, il poignarda 10 fois en criant « Ta mort !» Sympa. Stop ! Pourquoi il dit ça ? Quoi ? Zoé ? AFK, il faut que j'aille faire un tour aux toilettes. Le truc qui te coupe dans l'histoire. Ouais. L'ascenseur émotionnel. Ça va, Eva. Elle raconte super bien. Elle fait peur. Elle fait peur, tu peux dire. Oui. Trois petits points. Zoé a un don pour les histoires. Elle les rêve puis les rédige en plein milieu de la nuit. Ah ouais, cool. J'aime bien Zoé. Elle fait ça très bien. Elle fait ça très bien. J'aime bien Zoé. Il faut la rendre jalouse, tu vois. Si tu dis j'aime bien Zoé, du coup, tu vas voir ce qu'il y a. Bah, moi j'avais mis j'aime bien Zoé, je crois. Bon, bah, j'aime bien Zoé. Tu t'es pas prêt à me friendzoner, toi. Ouais, non, regarde. Les gens la trouvent un peu spéciale, mais elle est juste unique en son genre. Et bah, jalouse. Tu as préparé ton histoire, Kim? Oula. Votre choix. Ça va toujours une à raconter ou pas du tout? Pas du tout. Bah, j'ai pas d'histoire à raconter. Si. Est-ce qu'il y a une histoire derrière? Vas-y. De toute façon, tous tes choix, tu peux faire quelque chose. Ok, j'en ai toujours une à raconter. Cool. On a hâte de t'écouter. Non, mais moi, je peux pas. Re. Ah, Zoé, re. Heureux Zoé. Heureux. Heureux. Oh, t'as pas mis Zoé, quoi. Non. Vas-y, c'est toi qui lis. Avant toute chose, je tiens à dire, Eva, non, cette histoire, je n'ai pas rêvé, elle est vraie. Donc, après ce meurtre, une année passa. Elle reprend l'histoire. Ah ouais, j'ai bien compris. Elle était juste partie faire caca. Alors, puis au mois d'octobre, le soir de la fameuse fête, il alla rendre visite à sa sœur de son ex et lui trancha la gorge. Attends, puis au mois d'octobre, la sœur de... Mais la voisine entendit des cris et regardait par la fenêtre et vit le tueur, mais l'assassin aussi, vit aussi le témoin. Aussitôt, elle appela le policier et le tueur s'enfuit. Elle le décrit de la tête aux pieds en tremblant. L'homme mesurait au moins 2 mètres, il portait un masque et laissait montrer son large sourire. Malheureusement, l'Halloween prochain, il entra par effraction sur le témoin et la poignarda 10 fois. Sympa. On dit qu'au fil des années, il continue à rendre visite le soir d'Halloween, méfiez-vous, car il peut être n'importe où, peut-être chez toi, Kim. J'avoue, ça doit faire flipper un peu dans le noir et tout. Ouais, il ne l'arrêtera pas. C'est totalement horrible. Non, mais c'est moi qui me mets. Zoé, t'es prête à faire peur à Eva, voulez-vous faire de même? La porte de ma chambre. Non, mais attends, non, dis pas ça. Ne dis pas n'importe quoi, Kim, tu essaies de nous faire peur, c'est ça. Les gars. C'est pas une fille, va. Ma fenêtre est ouverte. Et alors? Je jure que je suis seule et qu'avant d'aller aux toilettes, elle était fermée. Vous essayez de me faire peur, c'est ça? C'est sûrement le meurtrier.
Tim, tu me fous la frousse. Oh, c'est le début de la soirée. C'est le but. Attendez. J'ai entendu quelqu'un en bas. Pourquoi MDR. Tu recycles notre prank? MDR, pourquoi tu recycles notre prank? Eva? Ne rien dire. Eva, ce n'est pas drôle. Erald. En tout cas, je sais qu'elle est là parce qu'elle est en train de lire mes messages. Eva, si tu ne réponds pas dans une minute, tu appelles la police. Ah ah, je vous ai bien fait peur. Hein. Pas du tout. Je n'y ai pas cru une seconde. Oh, je vais me faire 20 données. Je ne te crois pas. Ça va être en enjeu. Je me sens tout de même satisfait. Satisfaite. Ouais. Mais des fautes, c'est bien fait, je trouve. Ouais, c'est pas mal. Ouais, bon, c'est à ton tour, mon amourette. Eva. Ah oui, je suis désolée. Je suis très fatiguée, finalement. Tu exagères, on commençait à s'amuser. Bon, ok. Ok. Elle quitte comme ça la conversation. Elle est bizarre. Elle doit simplement être fatiguée. Ça fait frisonner. Bah tu vois. Moi, elle doit vraiment être fatiguée pour autant de fautes d'orthographe. Je m'en occupe, c'est quand même ma meilleure amie. De rien dire. Bref. Je te tiens au courant. Zoé Topaz. Vous l'ajoutez à votre liste d'amis. Bonne soirée. Elle va essayer de me draguer. Ça va. Oui, surtout. C'est super qu'Eva soit autant intéressée par une personne, elle ne me dit que du bien de toi. Ne la déçois pas, s'il te plaît. Le chapitre va se terminer. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal, c'est prenant. Chapitre 4, le lendemain matin. Christophe Bell. Bonjour Kim, je suis l'hyper d'Eva. Je me permets de t'envoyer ce message à toi et à Zoé. À notre retour de week-end ce matin, notre fille n'était pas présente. Comme nous savons qu'elle était censée discuter avec toi et son amie, nous voudrions savoir si elle vous a rejoint chez vous. Merci de répondre au plus vite, nous vous faisons énormément de soucis. Vous dire bonjour. Non, moi j'aurais dit... Elle peut être avec Zoé. C'est possible. Le souci, c'est que Zoé ne répond pas à nos messages non plus. Elle ne t'a rien dit? Il montrait la conversation. Ouais, ça fait intrusion, sa fille pourrait s'énerver si je lui montre la conversation. Mais y'a rien. Il lui montre la conversation. J'appelle tout de suite la police. C'est si grave. Guillaume, il répond à ma place. Non, mais tu vas répondre. Bah, vas-y. Mais non, tu n'arrives pas à prendre une décision. Bah, des fois, ouais, mais c'est compliqué parce que tu sais pas. Toi et Zoé, vous ne vous rendez pas compte. Hier soir, vous ne parlez sûrement pas avec ma fille, du moins pas à la fin. Il est évident qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre. Ah, ouais, j'ai pas pensé que ça pouvait être quelqu'un d'autre avec les photos et tout. Bah oui. Parce que c'était et. Et satisfait. Elle disait plus, ouais, satisfait et elle disait plus. Il y a quelqu'un qui était en bas. Ouais. Ouais. Chapitre 5, un an plus tard, voilà déjà qu'un an. Un an qu'Eva a disparu, ses parents et les services de police ne l'avaient pas prise, alors que pour certains, l'espoir laisse place au désespoir, un élément du passé va venir chambouler toute votre journée. C'est une blague! Une femme vous interpelle dans la rue. Excusez-moi. Oui. Donc il a vraiment disparu la fille. Ouais. On se connaît, non? Peut-être, mais je ne vois pas qui vous êtes. Kim... Oui, c'est moi. C'est Zoé? Oui.
C'est moi. Cool. Zoé. Oui, donc c'était bien elle. Alors tu ressembles à ça en vrai. J'imagine. Quoi? Tu peux être un peu plus compatissante. Hein. Ça fait du bien après un an de te revoir. Bon, si j'ai jamais vu. Ah, moi aussi, ça m'a fait plaisir de te revoir. Mais tu sais pas quoi choisir. Je sais pas quoi choisir. C'est cool. Rien n'est plus pareil maintenant. Que deviens-tu? Eh bien... Je ne vais pas te mentir, je suis perdue. Eva était la seule personne qui me comprenait. Ses parents essaient de m'aider, mais je me sens totalement fautive. Non, c'est pas de notre faute, quand même. Si, ça l'est. C'est évident, et moi, je n'ai rien fait. On n'aurait rien pu faire. Il dit rien, il sourit. Bah non, mais tu choisis. C'est moi, je connais l'histoire. On n'en sait rien, enfin, je m'efforce d'oublier. Eva me manque, tu sais. J'imagine bien, mais c'est sûrement à ses parents qu'elle manque le plus. Oh là là, le clash est fait. Comment vont-ils? Ses parents? Bah oui, bah non, le pape. Bah oui, ses parents. Christophe garde la tête haute et te fait tout pour retrouver sa fille. D'ailleurs, il m'a dit qu'il a apprécié ta coopération le lendemain de la disparition d'Eva. C'est un homme bien, je le considère comme mon second père, il a beaucoup fait pour moi. Sinon, toi, que deviens-tu? Je garde espoir. Ça fait vraiment... J'essaie aussi. Mais à chaque fois que le soleil se lève de nouveau, l'espoir de retrouver diminue. Je suis désolée si cette année tu n'as pas pu me recontacter, je me suis désinscrite du site internet. Tu ne comptes pas te réinscrire. Faut pas insister quand même. Non, je ne compte pas me réinscrire. Si je fais ça, si je reverrai la conversation dans les photos d'Eva, non merci. Comment je peux te reparler? Ça fait trop ouais, je veux ton numéro et tout. Je ne sais pas trop, on peut parler par SMS si tu ne me passes pas trop, tu es prêt à noter. Ah mince. Notez son numéro. Vous et Zoé avez échangé vos numéros. Tu suis toujours les mêmes cours ou pourquoi je ne t'ai pas vu cette année? Tu suis toujours les mêmes cours. Pas tout à fait, je n'ai pas supporté sa disparition. Les premiers jours, je n'ai pas réussi à affronter le regard des gens. Tu comptes quand même quoi? Je te propose de ne plus en reparler, on doit les doigts. Tu comptes quand même reprendre les cours? Je reviens tout juste de l'université pour ma réinscription. Je ne veux pas rater mon train, Kim, je vais y aller. À bientôt. Oh, tu pourrais être plus gentil quand même. Bah pourquoi? Je la connais pas. Bah elle se roulait pas mal. Le chapitre va se terminer. Un mystérieux retour, la nuit suivante. Elle va nous reparler? Bonsoir Kim. Oui, genre, au bout d'un moment. Je ne voulais pas te réveiller. Où étais-tu passé? Ça va, tu fais les bons choix. Ça va? C'est bon? Bah non, mais c'est ce que je choisirais. Le plus important, le plus important, c'est que je sois là. Maintenant, tu ne crois pas. Je suis d'accord avec ça. Ouais, tu veux pas savoir où elle est? Bah si, mais faut petit à petit, non? Je m'excuse de t'avoir fait peur, je ne voulais pas. Quoi? J'en ai mis le premier, moi. Ah bon? Ouais, je me souviens plus de tout, hein, mais... Je comprends et je regrette, mais tout va mieux maintenant, Kim. Prends ma main. Mais Bah, prends sa main. Prendre sa main? Vas-y, prends sa main. Hein? Mais on se parle par SMS, là. Mais t'as pris sa main par SMS. C'est un futur. As-tu peur de quelque chose? J'ai une certaine phobie, je ne préfère pas penser, j'ai peur de rien, j'ai peur de te perdre. Oh. Au bout d'un moment, faut quand même être mignon, non? Je comprends, car moi aussi, j'ai peur de perdre quelqu'un. Je vais te confier un secret. Ça, ça va être quoi son secret? J'ai toujours eu du mal à le partager, je suis orpheline, je n'ai jamais connu mes parents biologiques.
Pourquoi vous c'est avez pas réussi à déceler une information importante. Bah oui. Mais j'ai quand même ma petite sœur avec moi et j'ai toujours eu peur de la perdre, la seule chose qui me correspondait dans ce monde inconnu. Tu n'es pas obligé d'en parler, ça peut inciter la personne à en parler. Ça fait genre je m'en fous quoi. Ouais mais continuer cette noblesse à... Oui j'avoue, moi j'aurais dit... Non, j'aurais pas dit ça, j'aurais dit l'autre. J'en étais sûre moi aussi, j'aurais dit l'autre en plus. Bah oui mais pourquoi mais je sais pas, j'avoue tu me dis que je fais le mauvais choix. Je lui accorde énormément de confiance, elle a 2 ans de moins que moi, mais c'est un ange, je l'aime, regarde, il existe un monde parfait. Oula. Un monde sans corruption, sans tristesse, je suis tombée sur une folle. Mais pourquoi se rapprocher? Se rapprocher. Ça se trouve en fait elle est chez toi. C'est juste que c'est une discussion comme ça, mais ah oui. En fait c'est elle chez toi je pense. Je pense que c'est plus ça. Ouais. Nous avons tous des peurs dans un tel monde inexiste. Pas de cauchemar, si tu ne veux que rêver. Si tu ne peux que rêver. Et c'est bien ce que tu fais, rêver avec moi. Ah d'accord, ok. Mais où on est où? On est où? Mais où on est où? Mais où on est où? Mais on est où? Mais on mais est où, où on est où? Tu aurais pu éviter tout ça et tu le sais au fond de toi. Comment aurais-je pu éviter tout ça? À toi de découvrir. Sympa, merci. Allez, donc c'est un rêve en fait. Découvrir comment tu aurais pu éviter ma mort. Ah, parce qu'elle est morte en plus. Hein? Elle est morte? C'est une blague, mais c'est triste. Oula, c'était quoi ce truc? Qui est apparu d'un coup là? Mais Guillaume, il dit rien, c'est insupportable! Friend Zoé. Le lendemain matin, vous avez reçu un message de Zoé. Zoé Topaz. Hello. Hello. Yo 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 yo! Yo bro! Bonjour Zoé, comment vas-tu? Je vais bien, j'ai passé une bonne journée et toi? Ça va, merci de demander. C'est intriguant. Ouais. Ne me remercie pas pour si peu. Tu as besoin de quelque chose. Moi, je trouve que tu te prends l'histoire en vrai. Ouais. Bah, tu veux savoir là, l'autre là, la folle. Non, du tout. On va dire que j'ai du temps à perdre. Ouais, c'est pas vraiment friendzoné en fait. C'est tu dois déceler un mystère. Ouais, c'est pour ça, ouais. C'est trompeur. Le titre est pas bon de l'application parce que c'est pas du tout ça. Oui, bah. Bah, si, parce que tu t'es pas trompé au début, mais sinon, tu te fais friendzoné. Oui. Je suis content que tu m'envoies un message, je comptais t'envoyer un message. Ah bon, on peut me dire quoi? Bah je sais pas. Qu'il pleut. Pour prendre des nouvelles de mon ami. Pour t'inviter à manger un soir. Quoi? Mais non! Ah bon, tu veux sortir avec moi? Je t'avoue que je comptais faire une soirée Game of Thrones, mais... Je regarderai plus tard. Ah, je sais pas quoi dire. Mais... Mais quand même. Mais tu sors avec, tu veux te sortir avec l'autre? Bah non, tu fais les deux. Non mais... Oh. Bah oui, patate. Tu sais pas. Oui, patate. Elle est plus là, elle est morte. Bah tu sais pas. En tout cas, je suis contente que tu m'aies invitée à aller au cinéma comme les autres. Je trouve ça tellement chiant. Okay. Ce qui compte, c'est que ce soit les bonnes personnes qui s'invitent. Oh, c'est beau, ça. Friendzoné. C'est une blague? Non. Si, c'est une blague. Peut-être, peut-être pas. C'est vrai, j'espère ne pas me tromper en pensant de toi que tu es une bonne personne. Bah, tu ne seras pas déçu. Ça fait après, hop, ça finit jamais. Bah oui, oui. C'est cool alors. Tu fais quoi de beau sinon? J'écoute de la musique. T'écoutes quoi comme musique? Du Chopin. Du Chopin. Dans ce cas, j'espère que tu as des bons goûts parce que j'ai besoin de découvrir de bonnes musiques. Y'a des choix ou pas? Pour ma part, je cherche des faux raccords dans le dernier Star Wars. Je me fous là-dedans. Elle a dit qu'elle était geek. Ah oui, c'est vrai. Star Wars, c'est la base. Je préfère la sœur, moi j'aurais dit. Déjà sœur d'anneau parce que moi je préfère la sœur d'anneau, mais. Ah, mais Star Wars, c'est la base quand même. Star Wars, c'est la base. Ah, tu vas dans son sens, t'as pas de. Bah oui. T'as pas de... Bah non, parce que moi je suis toujours. Enfin, Star Wars, c'est ce que je connais le mieux. Tu aimes Star Wars.
Alors tu n'es qu'un pianiste romantique, c'est cool ça, on va pouvoir parler de plein de choses tous les deux. Alors tu n'es pas qu'un. Oui. Je n'ai pas forcément envie d'être ton confident non plus. Ouais, c'est cool, on aura plein de trucs à se dire. Oui, bah merci, j'aurais mis ça, bah oui, quand même. L'autre, c'est trop... Tu es friendzonné, tu vois. Tu peux t'amuser, hein. J'en suis sûre, Kim. Oh, j'y pensais. Fin. J'ai finalement décidé de me réinscrire sur le chat. Te revoir m'a fait comprendre que je devais avancer. J'hésite entre deux photos pour mon profil. Et elle me demande à moi. Oh, t'as plus la colle roulée. Oh, les cheveux dans le vent. À ton avis, je devrais mettre laquelle? J'ai préféré la première. Pour dire, ouah, tu es très belle. C'est trop facile sinon. Bah oui. Ok, pour la première alors. Ouais, ça me fait rigoler. Toi, je faisais laquelle toi? Je sais plus. Non, je sais plus ce que j'ai dit. Ok, pour la première, alors c'est vrai qu'elle est pas si mal cette photo, elle ressort mon côté. Le jeu il est vieux, hein. Il est sorti il y a un paquet de temps, je crois. C'est exactement ce que je pensais. Bah oui. Voilà, c'est changé. Non, elle peut changer. Non, mais sur le profil. Ah oui, du site. Bon, je vais me préparer pour ce soir, j'ai plein de trucs à faire. On se dit à quelle heure? Ouais. T'as pas d'heure, t'as pas de date. Ouais, on se dit quelle heure? Pas d'endroit. Ouais. Tu peux venir me chercher à l'endroit où on s'est rencontré l'autre fois, j'habite par là. Ok, je serai prête pour 19h30. À ce soir. Bah, ce soir. Le chapitre va se terminer. Et là, c'est la fin. C'est vrai? Tu finis avec Zoé. Déjà? Mais non, c'est pas la fin. Ah oui, il est temps de rejoindre Zoé. Arriver à l'heure, arriver en retard. On avance quand même. À l'heure. Kim, pile à l'heure. Et elle est prise de l'avance, tu vois. Elle était à 25. Pourtant, je me souviens de toi comme n'étant pas ponctuel. C'est important d'arriver à l'heure pour ne pas te faire attendre. Moi, je n'ai même pas regardé l'heure. Ouais, oh, bah, ça va trop quand bien. Même. Je m'en foutiste. Donc là, on se parle en vrai. Là, tu marques un point. C'est le genre de phrase que j'aime. On y va? Mais il ne faut pas être avec elle, moi. Si? Mais c'est pas fini. J'ai regardé sur Google. Le resto le plus proche est à 3 minutes d'ici. C'est un resto italien. Mais... Ça se trouve, j'ai du mal avec la bouffe italienne. Faut être gentil. On marche jusqu'au restaurant. Moi, je fais la bof. Tu verras, ça ne prendra pas longtemps. Pendant ce temps, on va jouer à un jeu. Ouais. Je vais te poser une question. Si tu réponds mal, ça voudra dire que la soirée va se très mal. Se passera très mal. Tête. Pourquoi tu sautes des mots? Allez, oh. Sinon, la soirée sera parfaite. Balance ta question. Ouais, balance la question. Pas dire de vulgarité ouais. Non plus. Je sens le stress monter. Un peu, ouais. Quel est le nom du créateur de Star Wars? George Lucas. J.R.R. Tolkien. Bon, j'avoue que c'est une question facile. Elle va m'en reposer une autre? Ça devient un quiz en fait. Ouais, ça devient un quiz. Après, t'as un petit jeu qui. Ok. Tout. Mais je ne voulais pas que la soirée se passe mal. Oh. Nous sommes arrivés, je crois que c'est là. Le serveur se rapproche. Bah, et la voix off? Le serveur se rapproche. Bonsoir, puis-je vous proposer la table proche de la fenêtre avec le reste des clients? Auriez-vous quelque chose de plus intime? Zoé n'est pas d'accord. Ah. Ouf. Non, ça sera très bien à côté de la fenêtre. Ouf. Oh le... Oh le clash. Le serveur vous tend la carte des menus. Je reviendrai dans quelques minutes. Pourquoi t'es pas d'accord? Alors Kim, tu me parles de toi. Je préfère qu'on parle de toi. Bah, non, je... Ouais, si tu veux. Oh, on va pas commencer direct. Tu as des frères et sœurs? Je n'ai pas cette chance. Voilà, voilà. Ouais. Je suis une finie, mais j'aurais aimé avoir une sœur. Moi aussi, je le suis, je te comprends. Et est-ce que c'est le matin? Non, mais c'est quoi cette question qui revient tout le temps? Zoé vous regarde tendrement. Et le wouf! Zoé vous regarde tendrement. Je commence à me dire que tu es quelqu'un qui peut me comprendre. J'aimerais savoir si tu as une petite amie. Oh. Oh, tu. Ouais, ça va. Oui, mais c'est l'autre, ça va. C'est celui-là, c'est que je veux pécho, quoi! Calmez, on va se calmer. Non, on va se calmer, ok? Ok.
Pourtant, même si ça ne fait pas du tout, ça ne fait pas du tout ce de. Ah, vas-y, pourtant, parle. Même si ça ne fait pas du tout. Pourtant, même si ça ne fait pas tout, de ce que je me souviens, tu es l'éternel pays sur Menti. De mon côté, j'ai eu beaucoup de demandes, mais ça ne colle jamais. Ce sont les mecs perdus qui ne pensent qu'au. Je vois. Ah non, on n'est pas tous comme ça. Bah, je vois moi. Toi, tu es quelqu'un de différent. Je sais tu le découvriras vite. Oh. Je suis mystérieux. Mystérieux. Ouais. Ah ouais, tu joues la carte du mec mystérieux, je vois. Je vois, je vois. C'est important d'avoir des principes, je pense que tu es d'accord là-dessus. Ouais, je suis d'accord. Tu choisis ce que tu veux manger. Je vais prendre Une pizza, ça fait non longtemps. Oh, une pizza, ça fait longtemps. Une assiette de pâtes. Mais une pizza. C'est une geek. Non, j'aurais dû prendre une pizza. Pizza, quand même, pizza. Bah oui, mais c'est ce que j'ai, tu m'as dit non. Non, moi je préfère des risotto au sèche. Moi je vais prendre une assiette de gnocchi à la romana. À la romana. Le serveur vient prendre commande. Bonjour serveur. Tu sais, j'ai vu Christophe en rentrant chez moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Christophe, c'est... Oui, c'est le père Bella. De Eva Belle. Eva Belle. D'ailleurs, ça ressemble à Bella. Ouais. Bella, c'est bon. Twilight. Ouais. Il était content de savoir ce que tu vas bien après cette année. Oh. Tu sais pas lire. Ouais, je sais plus lire, ouais. Mais oui, mais tu lis pas. Mais le plus important, ce qu'il m'a dit, c'est que les policiers se rapprochaient enfin de la trace d'Eva. Ah bon? Ah bon? Justement. J'en ai rêvé. Je suis un psychomaniaque. Je suis un psychopathe. Et en fait, c'est moi qui l'ai tué. Apparemment, mais tu sais, il ne faut pas s'y fier parce qu'il dit toujours ça. Au fond, il espère juste revoir sa femme sourire un jour. On est là pour un matin espoir. Ça doit être difficile. Oui, ça l'est. Mais évidemment. Le serveur vous interrompt, il vous sert. Tu peux t'en aller, s'il te plaît. Zoé, regarde votre plat. Ah, bon appétit. Et hop, ainsi de suite, jusqu'à la fin. C'est sur ce bon appétit. Tu sais, la première fois que je t'ai parlé, j'ai tout de suite su que tu étais quelqu'un de poli et bien tenu. Bah, quel rapport à la deuxième phrase? Ouais, des fois, c'est un peu bizarre. Je savais que tu étais quelqu'un de bien. Je suis gentil. Ça me rappelle que Brian ne me lâche plus du tout. Il vient fait affaire là, lui. J'en veux plus de ce mec, mais il a pas déjà essayé de draguer Eva? Oui. Et là, Brian dégage. Ignore-le tout simplement. C'est ce que je fais. Ok. Mais ça fait un an que j'ai le droit à un message par semaine de sa part. Il faut toujours un moyen de me contacter. Il finira par en avoir... Mais non, faut s'en occuper. Mais ça fait trop genre... Tu veux que je m'occupe? Bah oui, quand même. Pense bien. Enfin, ne parlons pas de cette ordure. Voilà, c'est pas le sujet. J'ai ramené quelque chose pour te le montrer. De cette ordure les poubelles? Je peux comprendre. Regarde, c'est un livre que j'ai trouvé par terre il y a quelques jours, il est intact. C'est quoi? C'est quoi? Ça parle des significations. Comment ça? Comment ça? Est-ce qu'on va finir les gens aujourd'hui? Ah ouais, faudrait qu'on finisse au moins le premier aujourd'hui, et puis après les autres on les fera en plusieurs parties normalement. C'est simple, selon les caractéristiques de ton personnage, on peut déduire plusieurs choses. Par exemple, quel est ton mélange de couleurs préféré entre le rouge, blanc, bleu, vert, rose, blanc, bleu. Je suis plus pour le rouge, blanc, j'adore le bleu, vert, et je suis plus... Bon, le bleu, vert. D'accord, ça dit l'homme au... Okay. L'homme au goût de caca, voilà. Ça ne dit pas... que de mauvaises choses, laisse tomber. Laisse tomber. Dis au moins à mort ce que ça dit. Eh bien... Vous n'êtes sûrement pas très beau à voir et c'est pour ça que vous vous intéressez à un mélange aussi horrible. Pensez-y sérieusement. Ce livre, c'est un peu... La mouise, finalement. Et je crois plus à la signification des rêves pour ma part. Ah. Non à dire. T'es quand même en train de la draguer. Pas ouais. Mais bon, ce n'est pas toujours significatif. Des fois, je rêve que plus tard, je serai riche. Des fois, plus tard, je rêve. Ce qui compte, c'est de rêver. C'est beau ce que tu dis, et c'est vrai. Ouais, je sais. Le serveur vous passe l'addition. Déjà ? C'est pour moi. On partage la note. Sérieux ? Radin ? Non, j'insiste, on partage. Non, c'est pour moi. Non, j'insiste. En tout cas, c'était très bon. Encore.
Oh, le gros lourd. Non, je suis d'accord. Oh là là. Encore plus parce que tu étais. Zoé, déçu que la soirée avec vous soit déjà finie. Oh. Avec plaisir. Je suis désolé. Désolé, j'ai laissé un truc dans le micro-ondes. Le chapitre va se terminer. Et bien voilà, c'est fini les gens. Et bien non. Il est 21h et le ciel n'a jamais été aussi étoilé. Vous marchez lentement pour faire durer le moment. Magnifique ciel étoilé. Le ciel est tellement en beau. 480p. J'ai lu quelque part que le ciel est plus grand des trésors, mais que l'homme ne s'en rendra jamais compte. Et tes yeux sont des étoiles que personne n'a jamais conquis. Oh la lourdeur! Oh là là! J'apprécie ce moment-là. Quand plus personne ne parle. Bah, de parler alors. Que les lumières s'éteignent peu à peu. Et que seul le vent chuchote à tes oreilles. Vous passez devant un cimetière. Là, c'est moins beau. Je ne savais pas qu'il y avait un cimetière près de chez toi. Ça va être mieux quand même. Brian se tient devant vous, saoul. Donc complètement pépon, quoi. Il a bu un peu trop de coca, quoi. Avec autre chose dedans. Brian, salut vous deux. Ah, t'es le mec dont me parlait Eva. Ouais, c'est moi. Kim, oui, c'est oui, bien ça ton c'est nom. C'est bien ça ton nom, ouais. Tu changes de meuf comme de chemise, dis donc. Barre ah ouais, Jack se bat. Le nerveux, tu sais. Je suis Yves comme un zombie. Tu as cru que j'allais t'écouter? Ah. Bah là, du coup, t'es obligé de te battre, là. Non, tu les laisses. Quoi? Ah non, tu les laisses pas, faut pas. Bah non. Pourquoi je suis parti? Pourquoi je suis parti? Mais pourquoi t'es parti? Mais pourquoi je suis parti? Et du coup, je voulais pas partir, les gens. Oui, mais bon. Mais c'est parce que je voulais faire, c'est pas grave. Alors que vos liens avec Zoé se renforcent, les révélations de Brian vous glacent le sang. Ouais, effectivement. Enfin, il a l'air un peu bizarre. Oui, très chelou même. Suite à son rendez-vous désastreux... suite à son rendez-vous avec Eva, les indications de cette dernière concernant votre soirée avec elle. Brian pensait vous trouver chez elle le soir de sa disparition. Il espionna et assista à la catastrophe. Quoi? Quoi? Donc moi j'ai fait jusqu'au 3 je crois en fait. En fait il y a toute une histoire, donc faut vraiment qu'on fasse la suite, sinon Kim ne saura jamais la suite du... Le mec c'est un barge en fait qui suivait Eva et il a vu ce qui s'est passé ce soir là. Ouais, donc en fait il va être important. Bah il va être important. Bourré. Ah oui c'est vrai. Et ça expliquerait pourquoi. Ah bon. Et donc faut regarder la suite. Bah ouais. Voilà, suite au prochain épisode les gens. Du coup c'est fini, donc ça fait un bon bout de vidéo. Ouais. Faut nous dire si le prochain, si jamais on fait le deuxième, si ça vous plaît, si on le fait aussi d'une traite, je pense qu'on le fera d'une traite, parce que c'est dommage de... C'est quand même de tout couper, un truc... Ouais, c'est ça. Bah faut mais... nous dire dans les commentaires. C'est vrai que je me souviens maintenant, j'étais persuadé que c'était un seul jeu. Mais maintenant, je suis allé vraiment beaucoup plus loin que ça. Et ça reprend vraiment là où tu t'es arrêté en fait, t'as vraiment une chapitre 1, chapitre 2, ouais, ça c'est suit, comme quoi. Un bouquin en fait. C'est un petit bouquin c'est un petit gratuit bouquin, ouais. Quoi. Et franchement c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est interactif, je trouve ça bien fait. Ouais, c'est vrai. Et si jamais ben voilà, vous êtes pas content de ce que vous avez fait, ben vous pouvez recommencer, mais il faut savoir que comme on est arrivé jusqu'au bout, comme chaque jeu est séparé, eh bien ça influencera pas sur l'autre, je crois, hein, il me semble. Je pense, bah, donc on va recommencer à zéro et Eva elle sera Zoé elle sera plus ou moins proche de nous, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Non mais en tout cas, faut nous dire si ça vous a plu, faut pas hésiter à mettre un maximum de pouces bleus et puis on vous dit à bientôt une prochaine vidéo. Faut pas se battre, c'est pas bien. Oui, c'est pas bien de se battre. Voilà. Allez, salut!